Bonjour, chers étudiants. Alors, dans cette vidéo numéro 5, on va faire la correction du type 5 hein, de la pièce suivante. Bien sûr, on va découvrir aussi une nouvelle fonction, un nouvel outil afin de travailler à la pièce. Il faut avoir le minimum de temps et bien sûr en optimisant l'arbre de spécification parce que c'est ça l'objectif. Oui, on va utiliser les fonctions extrusion et poche, mais aussi on doit optimiser. On va optimiser l'arbre de spécification. Alors, il y en a plusieurs méthodes pour travailler de la pièce. Alors, vous avez ici le plan de face, vue de face de la pièce d'énorme, il est comme ça en 3D, c'est une pièce simple. D'accord, ça suit le vue de face, nous avons un trou, un diamètre ici de 100 qui existe en centre, d'accord. Puis, nous avons quatre trous. Nous avons quatre trous ici. Bien sûr, de diamètre 18. Et nous avons aussi les rainures à dos. Nous avons ici, vous avez une rainure à dos. Les rainures, ce sont des rainures simples. On peut derrière les juste avec des rectangles. Et on va faire poche. Alors, il y en a deux fonctions ici, extrusion et poche, qu'on peut l'appliquer. Bien sûr, pour sortir de l'eau, nous allons réaliser les trous à dos par une répétition circulaire. D'accord. Par répétition circulaire. D'accord. Nous avons aussi d'autres choses. C'est que Hadi aussi, des réunions à dos, on peut aussi les réaliser par répétition circulaire. D'accord, répétition circulaire, on dit long, on peut par exemple. Kane Nasforen, elle peut faire votre méthode de travail. Il est avec le canon, je vais choisir de dessiner la pièce rectangle comme là, puis je vais faire des quatre trous, couleur de poteau. Puis-je faire trop ici et trop ici. Il y en a d'autres qui vont faire Mazenaflis, qui vont dessiner le carré à dalle, ils vont dessiner les quatre cercles. D'accord. Et au lieu de trop de roi, on s'en tape. Au lieu de l'extrusion, on va dire les poches. Il y a une méthode à faire. Non, on cherche toujours à minimiser le nombre d'opérations. Mais c'est le fait. Lorsque c'est un chien, on va se faire un peu. Ça prend du temps. D'accord. Alors, parlez-vous, je vais vous montrer maintenant la méthode de travail. On a différentes cotations. On a des trous à dos. Maintenant, on a des côtes à des verticales et horizontales. Maintenant, on a un rayon. Il y en a 213, il y en a un rayon de R88. D'accord. Voilà, on va voir que tu fais R88. Alors, voilà, c'est un 88. Nous avons aussi, bien sûr, j'ai fait dessiner l'axe sur un axe de 45. D'accord, j'ai quatre trous, j'ai fait un cercle, le rayon de là, ou R88, rayon 88. Ou, bien sûr, j'ai le centre de là, j'ai positionné et passe. Il appartient à un axe, l'angle medino ou bien l'axe horizontal il est 45. C'est-à-dire on va utiliser les crottes à dos pour la réalisation. C'est bon? Alors, il y a aussi la distance, d'accord? Parce qu'il n'y a qu'une correspondance de vue. La distance, c'est 25, en tout cas, ça veut dire 0,50 en total. Nous avons aussi le poche, c'est de 10, on a un poche de 10. On a la profondeur des trous, c'est une profondeur de 30. J'ai mis le trou à la machine, il y a le fond. D'accord? Ou l'extrusion de la pièce qu'il y a là, on a 50. Donc, alors, le matériel de temps, il suffit pour faire le traçage, pour faire la pièce 3D.
par les angles. Alors, tout d'abord, on va commencer par le dessin de la rectangle là, d'accord? Qui m'a été compris, il y aurait eu dire les trous à l'eau. L'eau, il y a eu les trous à l'eau, c'est un tel le fond, voilà, je tiens, mais c'est le nom. Il y aurait eu l'eau, on va dire les trous, la correspondance des vues, voilà, vous voyez ici. Qui est-ce qu'il y a un tel par design, alors sans proche, on va dire, puis sans souplière, on va dire, on va pas y respirer à chaque fois le temps de dessiner chaque trou. Massement, ouais, on dit la répétition circulaire, même chose pour ça. D'accord. Alors, je vais vous montrer maintenant la méthode. Nardo, l'atelier par design. Alors, conception mécanique par design. On attend que ce soit. Voilà, c'est bon. Non, c'est produit. Pardon. Conception mécanique par design. Alors, c'est TP5, correction TP5. On a un plan d'esquisse, un plan XY, voilà, esquisse. Je fais un rectangle. Alors, le rectangle, il y a les côtes, je l'ai dit, un dit, meeting et l'émeting. Alors, je fais rotation. Distance, c'est 200. J'ai aussi une distance. Entre ça, ça, les 200 aussi. 200, voilà. Aussi, je dois centrer la pièce là, par rapport au centre. On a 2, 3, 2, 1, 500. D'accord. On a centré à la 100, d'accord. Ça, on peut faire le trou bien dans le centre. Les mains de l'œuf le centre, d'accord. On va centrer la pièce parce qu'on est ici. La pièce, tu vois, elle est dans la référence. Alors, c'est la même chose, mais c'est le GLFA. On va faire aussi 100. Le centre, on est le point de silence. D'accord, c'est une belle. C'est bon, alors la pièce d'un maintenant est verte, elle nous a un rectangle. Alors, Rena, qui m'a dit comment d'autres mètres sur le mot, qui m'a dit comment d'autres mètres sur le mot, qui m'a dit comment d'autres mètres sur le mot. Là, je mets le trou, ici, moi c'est sur le fond. D'accord. Donc, Habs, là où le trou est, où est-ce que Habs, Dena. Alors, on se laisse une zéro opération d'extrusion. C'est bon. On va mettre une zéro les poches, disons, on s'est mis à part. On s'est mis à part, on s'est mis à part. Alors, je vais dire. Ah, je peux dessiner mes flèches qui s'est de trouver puisque le fond. Vous avez un là. Vous avez un récemment. Vous avez un récemment flèche qui s'est de trouver un récemment. Ok, ah non, je préfère qu'il me clique en puisque vous avez des répétitions circulaires. Je préfère un récemment. Je vais les changer de proche. Mon Dieu. Alors, je vais faire extrusion. C'est juste hors de la PV. Je fais extrusion. Alors, extrusion de combien? Extrusion de 50. 50. Parce que vous voyez, la coupe, voilà, vous voyez la coupe ici. On a la pièce, une fois, on a la face de l'étonne. Alors, il y a la pièce, on a la pièce, on a fait extrusion de 50. Je fais ici 50. Voilà. C'est bon. Alors, il me reste quoi? Il me reste de tracer deux trous d'IALI. D'accord? Deux trous là. Il fait le diamètre 100, d'accord. Alors je vais faire ici sur le plan, voilà. Esquisse. Je vais faire un trou. Ah, diamètre combien? Diamètre 100. Voilà, on a un centre, le centre déjà comme ça. Référencier la pièce que j'ai l'air de chaque le centre. Alors, on a une tâche de rendre chez le centre à 10 ou à 10 lèches. On va dire qu'on a le centre. Ou quand on a l'air de chercher le centre, voilà, vous devez faire un dessin. C'est bon? Alors, on dit maintenant, on va faire proche bien là. Je sors de l'atelier. Je clique proche. D'accord. Alors, le prochain, il y a un trou d'IALI, c'est le
30 مليم شتو هنا فوق التحت صون طبعا بيان سور كي كيتسال هذاك حسبوا هذا راه ترو هذا راه ماشي ترو هذا راه واد هذا الريكتانجل هذا اللي ندير كونتا هذا لا فورم هذه سي بون حيت لا بيس قسمناها كامل قسمناها تيبان لنا دابا الخط هذا اللي تيبان لنا راه هو هذا هو شتو الخط هذا وهذا الخط هذا قلت لك كورسبوندون هذا عاوتاني كيبان لنا هو هذا هذا عاوتاني هذا اللي هنايا تيبان لنا هو بون الوغ On va faire 30. Voilà, deuxième. C'est bon. Et ben donne-moi le trou. Donne-moi le trou, Diane, non? Voilà. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste le trou, voilà. Il nous reste de la forme, Ed. De la forme, là, je vais faire la répétition pour découvrir la répétition. Alors, on a ce mot de trou, là, je n'ai ce mot de trou, là, c'est notre découverte. Maintenant, on a des côtes verticales et horizontales par rapport aux surfaces. Maintenant, on a le centre de l'autre, je vois sur l'axe, sur l'axe, les binômes, vous avez vu 120 degrés par rapport à l'axe origine horizontal, comme ça. Ou, je vois un cercle, les diamètres de la Earth Newton. Alors, on a cherché dans ce moment les axes, les éléments de construction. Alors, pour le haja, je vais prendre le plan avec toujours. Je vais dessiner l'esquisse. Voilà. Alors, je vais enlever les éléments de construction. Le premier élément de construction, je vais aller à l'axe. On va aller à l'axe, pas de comme ça. L'axe, c'est là. Bino, Zawiya, Jelesh, Jel, 45. Degré avec elle. 45. Mais le bête, Edna, elle le trop, elle dit trop par là. J'ai au foie de cercle, le centre de l'homme, j'ai au foie de cercle, et le diamètre de là, la semaine de l'homme, j'ai au élément de construction. Alors, on va faire une ensemble de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un arc ou la lèvre, il y a un élément de construction, d'accord. On a un arc. On a le centre de l'homme, il y a un élément de l'homme. Par exemple, on a un élément de construction. On sélectionne l'hémonie, on a un élément de construction comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà l'élément de construction maintenant. Alors, attends, le diamètre de l'eau, chal, ou un rayon de 180. Je vais choisir là-bas. On va dire un rayon de 180. Bien. D'abord, le centre de l'eau, je vais mettre l'intersection. Ou l'intersection de l'eau de l'axe là-bas. Ou le rayon de l'eau de l'eau. Bien. Alors, je vais dire, on va prendre deux points. D'accord? On va prendre deux points. Je sélectionne ici, hein, je sélectionne. C'est pas ça. Ouais. Point. Génial. Il y a le centre de l'air. D'accord. Le centre d'intersection. Ouais, d'accord. C'est bon. Alors, on a redessiné le. Redessiné l'élément lié à l'air. Dessine l'élément de l'idée de le cercle. On y fait un. Diamètre. 18. Voilà. Diamètre. 18, voilà, sur la verte, bien d'abord. Ça marche, c'est bon. Alors maintenant, je vais faire proche. Yep. Est-ce que c'est le quand tu as un point? Ah oui, attends. Si, on fait une erreur. On a vu les points, on a dit. Sinon, on a dit, 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 on a dit. Centre de l'homme. Je vais faire le
Avec le point, ça sera élément de. Ça sera élément de. Ça sera esquisse ouverte. D'accord. Alors, maintenant, je n'en dirai pas. Tout simplement, on va faire. On va faire. Coïncidence. Le centre, il y a la vitre au Hada. D'accord. Il y a le centre. On va grandir un peu. Ah oui, coïncidence en arrière. Voilà. Bon, alors je prends le cercle que j'avais dit. On dirait une coïncidence, je suis en coïncidence ici. Alors il y a la sélection et il y a la sélection le centre qui est là. On dessine cercle. Alors cercle, je vais voir où il est en coïncidence. Il y a un diamètre. Ici. Voilà. 18. Maintenant il est vert. Il y en a automatiquement le même nombre de points. 19 le centre. Mais j'ai un le centre. Bon. Voilà. Alors je sors de l'atelier et je vais faire poche. Alors poche, les chalfi et fil tlatin. Là, les fil khamsin. Il y en a 50. Alors 50, voilà, ça marche. Et bon. Là, nous avons aussi poche tani. Les ouas de la. هذا هو يا لا فورم هذه الا تقدر تسمى بدقه يرسم واحد الريكطون ديال هكا يعطي واحد ليكور ديال عندنا هي 25 ويعطي 200 في الطول فيها بوش انا بغيت نوريكم هي لا ريكيسيون في الاخر alors on va faire مثلا كونفا نديرو نختار هذا البوان توجور نديرو اسكيس وغنجي نرسم هذيك لا فورم اللي عندي تمايا لو غنحاول ندير واحد الكونتور كما alors bien sûr dans une coïncidence je vais faire هذا و هذا هذو دو ديال لي فاوند هذا هذا voilà. Alors il me reste quoi? Alors j'ai bon quand tu montes sur le chat de grade, mais il y a un peu de temps pour faire le test. Alors je vais faire la distance d'après cela. Il dit qu'elle est là, 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 il dit qu'elle est là. Distance voilà 25 et bien sûr nous avons une aire donner une 25 on a passé compte directement bien sûr les deux points à vous parce qu'on a conséquence avec ça وهذه لو بوان بيان سور خصنا نسدو لي سبيس ديالنا هادو ما سديناش غنسدوها بواحد الباط هادو شكون الكونسيكونس فوالا هما لي دو كونسيكونس تكرياو سي بون الوغ 25 50 قلنا هي هادي حيت كنشوفو لا بيس كوم سا الوغ من هنا لهنا عندي 25 من هنا لهنا عندي 50 سي بون الوغ إل نو ريست مانون دو فار كوا إل نو ريست دو فيرمي لي سبيس ديالنا باش نديرو بروش. Alors je vais choisir un cercle défini par le centre. Il y a un arc. Il y a un arc.
il y a le centre des derniers joueurs. Donc, je prends le centre ici. Le premier point est là. Deuxième point. C'est bon, c'est parfait. Non, deuxième point, c'est considéré tous les points. Au hasard, rayon définir le centre, il y a automatiquement un blâme à la poche rayon. C'est bon? Alors, je sors maintenant de l'atelier. Le poche dirige, elle fait. هذه كما قلت لكم كان يمكن شي واحد يقدر يديزانيش انا هكا ندير وحده تقسم بالثاني كوش شفتني هاد الخوت راه تقدر ترسمو في سكيس ترسم اربعه في سكيس وديرهم ما فيش دير اكسكلوزيون بويسكو لي سكيس عندك هاد الخوت فيه بروفوندور 30 و الاكسكلوزيون 50 و الخوت هو عندك فيه 50 بروفوندور ديالو يعني يمكن ديرهم في مستقبل ما تقدرش ولكن احنا لوبجيكتيف ديالنا كيما قلنا هو نابليكي هادو لي لوزوت اوتي لوزوت فونكسيون و دون ان دوزيام الى رسمتي اربعة ترسم بالواحد بالواحد هذاك في ساك فان دو طون الوغ شنو غنديرو غنديرو دابا لا ريبيتيسيون سيركولار الوغ باش نديرو لا ريبيتيسيون من غنديروها لا لا لقيت تبركو على هاد لاب تبركو على هاد هادا راه غتولي كنقلب هذا مزيان غنديرو دابا باش شفتوها هنا فاش كنضربوا على لاغ دو سبيسيفيكاسيون يعني كنتحكموا في لاغ دو سبيسيفيكاسيون نكبروا ولا نصغروا شوفوا لاغ دو سبيسيفيكاسيون نولي نكبر ونصغر في لاغ دو سبيسيفيكاسيون تمام فاش كنضرب على لاغ دو سبيسيفيكاسيون على هاد البيض هذا على هاد لي غواط بيض هنا فاش نضرب في لاغ دو سبيسيفيكاسيون كترجع لاقياس ديالي كما كنصبر في لاغ دو سبيسيفيكاسيون فاش كتولي كوم سا عاد جو بو مانيبولي سور لاقياس C'est bon? Alors, pour faire la répétition circulaire, ce n'est que deux liés au même. D'accord? Je vais dire que c'est 540 degrés. 90 degrés. Alors, je vais choisir répétition circulaire. Comme ça. Yep. J'ai l'indé une instance. J'ai l'indé pour faire 4. Yep. J'ai l'indé 4. J'ai l'indé 4. J'ai l'indé 4. J'ai l'indé 4. L'élément de référence, la rotation. L'axe de l'indé 4. Sélectionner l'élément de référence. Yep. On a l'indé l'instance espacement angulaire. On a l'indé les angles. On a l'indé 5 degrés. الزاوية اللي كاينة بين هاد لاكس هذا هاد لاكس اللي لازم هنا هي 90 بين هاد وهذا هي 180 90 لا بالنسبة لهذا ولا بالنسبة لهذا انستانس اسباس مونتياج بين 4 90 اليمون ريفيرونس ديالي قلنا هو لاكس ديال هاد لاكس ديال هاد السيلندر هادي داكوغ اوتوماتيكمون ملي درت هاد لاكس ديال السيلندر واش نفهم كون بانه راه خصني كون بانه راه باغي فاش سيليكسيوني هاد السيرفاس كون بانه راه باغي لاكس ديال السيلندر دابا لاكس او بالنسبة ل لي زوبجي لي كومبوزون شكونهم لي كومبوزون عندي بوش عندي هاد البوش هذا جوج ياك الوغ خصني نورمالمون سيليكسيون ديبار Est-ce qu'il y a une autre sur les courants et deux éléments, voilà, sélectionnons le logo.
instance de lambda. Ou bien sûr, les éléments de référence de lambda. Voilà. Lambda 2. L'axe de l'axe de l'ombre de l'ombre. Une fois sélectionné sur la face, il y a un axe. Voilà. Et je fais OK. La pièce. Voilà. Il y a la pièce avec la fonction circulaire. Bien sûr, en faisant sans faire de l'arrière de les opérations, il y a une excuse pour ça. Voilà. Voilà. Mettez comme proposer les frisquisses, soit les différentes approches de frisquisses par ensemble. Et là, merci de vous avoir hâte de votre bienvenue. C'est la même chose que c'est vraiment quand on doit directement de l'emploi, sur la page qui est l'exclusion. Alors, j'espère que vous avez appris à devenir un nouveau outil. Je vous souhaite bonne chance.